Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et encore réaction MV puisque aujourd'hui nous allons découvrir le MV Bossio de Juanes. Ça fait un moment, surtout sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram, que je vous parle et que je vous harcèle, c'est peut-être pas le mot, mais que je n'arrête pas de parler des Juanes parce que je suis en kiff total sur ce groupe en ce moment. J'ai adoré beaucoup le dernier comeback. Après, j'aime généralement beaucoup de leurs chansons, que ce soit depuis leur début jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils sortent un comeback avec le MV Bossio et leur nouveau MV. Et je suis trop contente d'enfin pouvoir parler de Juanes sur ma chaîne et de pouvoir vivre un comeback avec vous, parce que franchement j'attendais ce groupe sur un comeback depuis pas mal de temps et je suis trop contente qu'ils font un comeback aujourd'hui. Donc je suis vraiment super impatiente. Nous allons pas rendre cette intro plus longue qu'elle ne l'est et on va passer tout de suite à la réaction. C'est parti. C'est très coloré déjà. Je l'adore ce garçon. La musique bouge beaucoup, j'aime bien. Oh, c'est trop mignon. Alors déjà, c'est très coloré, ça bouge beaucoup, j'aime beaucoup l'instrumental, j'aime beaucoup la musique pour le moment, c'est une super bonne ambiance, je pense que c'est vraiment une musique qui va nous mettre de bonne humeur. J'adore les concepts, j'adore les couleurs, ça change énormément au comeback de NIFN qu'on a fait hier. Du coup, je suis vraiment trop contente d'avoir quelque chose de très différent. Et je m'attendais un petit peu à ça parce que j'avais regardé les teasers et je m'attendais un peu à cette ambiance très funky, très cool. J'aime beaucoup pour le moment. Ils sont trop choux. Oh, il est tellement chaud. Oh, lui, il est trop chaud. J'aime beaucoup. Non, mais... C'était quoi, ça? Game of Thrones. Oh, mon Dieu. Je préfère pas y penser. Ok. Oh non. Ça c'est dans le teaser. Oh. Ça se veut vraiment sans prise de tête ce clip, je trouve. C'est très fun. Oh, bah dis donc. Les pauvres fleurs là. Bah, c'est le lâcher prise. Attendez, est-ce que One Moon il vient d'exploser les chiottes? Oh putain, ce clip c'est vraiment du gratin. Le pauvre Raven. Oh mon Dieu. C'est contre le stress, de ce que je comprends. Ok. Je pense que One Room est la personnification de chacune et chacun de nous. Le lundi matin, ou le matin en général, surtout maintenant qu'il fait un petit peu froid.
On se réveille et on se recouche, ou on a juste envie de se coucher. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vis. Bah, déjà, le défaut, là. La chorégraphie est sympa aussi, hein. Gâteau quand même. Eh bien, c'était un MV très haut en couleur, très très décalé, il faut le dire. Je pense que c'est totalement assumé par les garçons et je trouve ça juste génial. J'adore cette ambiance très lâcher prise, c'est vraiment ce qui en ressort pour moi de ce MV, c'est le lâcher prise, de des fois se défouler quand ça va pas et tout. C'est un concept qui est vachement populaire un petit peu en plus là-bas, parce que t'as quand même des endroits où tu peux justement exploser des trucs avec des battes et tout ce genre de choses. Et c'est vachement repris dans ce MV, puisque ben, déjà Wang Mu il explose en toilette. Pauvre Raven d'ailleurs, ça avait l'air de presser un petit peu le pauvre. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé la musique, elle est très très sympa, elle met vraiment de bonne humeur. Moi par exemple là, je pense que je suis hypée pour la journée. J'étais pas forcément de bonne humeur quand j'ai commencé ma journée, j'étais plutôt fatiguée. Mais là je pense que je suis dans un bon mood grâce à eux, franchement j'ai adoré la musique. C'est un lâcher prise total pour moi. En ce qui concerne le MV, je trouve le MV très sympathique, les concepts et les décors sont vraiment très très beaux, très colorés. J'aime beaucoup les outfits aussi, ils sont plutôt simples dans le sens que c'est des pièces comme des jeans ou des pulls, mais ils sont aussi très très recherchés parce qu'il y a beaucoup de couleurs. J'adore aussi l'énergie qui se dégage des garçons, surtout Wang Mu. De toute façon, lui, quand il fait un MV, quand il fait quelque chose, il met une énergie dedans et ce smile, enfin, c'est mon membre préféré de One Us. Si vous l'avez pas encore compris, avec Shion. Je sais pas d'ailleurs si on dit Shion pour lui, parce que moi j'ai l'habitude de Shion dans Kingdom Hearts. Et du coup, ben, je dis Shion. Mais bref, ce sont mes deux membres préférés, donc forcément, et je les ai trouvés trop 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 mignons, mais tous ils sont trop adorables dedans. Et pour moi, franchement, c'est un gros coup de cœur. Alors, je ne savais pas quoi vous dire de plus, à part que j'ai surkiffé cette musique et que je pense que je vais l'écouter d'ailleurs après en partant au travail pour me mettre encore un peu de bonne humeur avec l'album des NIFM du coup, puisque je l'écoute pas mal en ce moment pour pouvoir vous faire une review, ça c'est sûr. Et voilà, c'est tout pour moi et pour cette vidéo réaction. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de ce MV et de cette chanson aussi. Dites-moi un petit peu vos avis. Ça m'intéresse de savoir, est-ce que vous connaissez One Us, est-ce que vous êtes une Two Moon ou pas. Pour ma part, vous le voyez et vous le savez maintenant depuis un petit moment sur Instagram. Je suis une grosse fan de One Us. D'ailleurs, j'aimerais trop précommander leur lightstick, mais en ce moment, money money, j'en ai besoin. Mais j'aimerais vraiment trop l'avoir et j'aimerais trop acheter tous leurs CD aussi, parce que je sais pas, j'ai un gros coup de cœur pour eux. D'ailleurs, j'ai accroché un des posters que j'avais reçu d'ailleurs en Corée de ce groupe. Je l'ai accroché juste là-bas. Mais j'adore ce groupe. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas aussi pour vous et ce que vous avez pensé du MV. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un like. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide toujours autant. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à le faire et à activer la clochette pour être prévenu de mes prochaines sorties vidéo. Si jamais vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram, je vous conseille énormément de vous abonner à Instagram en ce moment, puisqu'il y a un concours sur ma page Instagram pour gagner le petit porte-clés Van qui est juste là. Si jamais vous êtes intéressé par cette petite porte-clés, sachez qu'il y a du coup un concours sur ma page Instagram et qu'il se termine le 21 décembre, donc vous avez plus que 3 semaines à peu près pour pouvoir y participer et les conditions sont hyper simples, donc suivez-moi sur Instagram. Bien sûr, tous les liens sont en barre d'infos
Et je vous rappelle aussi que j'ai ouvert ma boutique Etsy où j'y vends mes fanarts réalisés soit en aquarelle, soit sur des toiles avec de l'acrylique. Il y a différents prix, il y a différents groupes, beaucoup de BTS, il y a un peu de TBT, de 80s. Je vais peut-être aussi mettre du One Us du coup parce que j'avais fait quelques fanarts de One Wong. Je vais peut-être vous en mettre un si jamais je suis pas trop triste de m'en séparer d'un. Donc n'hésitez pas à en faire un petit tour sur ma boutique Etsy, c'est pour aider la chaîne à pouvoir se financer et à financer mes projets. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez me regarder. Ciao tout le monde, à bientôt !